Salut à tous les amis, on va continuer aujourd'hui notre aventure sur Resident Evil 8 Village. Et on s'est arrêté ici juste devant le vendeur, comme à chaque fois depuis quelques vidéos. On a fait un petit peu le plein chez le vendeur. Et on va aller directement vers l'objectif suivante qui était d'aller vers. Ah, il y a des petites choses qu'on n'a pas ramassées ici. Il y a des petits coffres qui peuvent être intéressants. On va essayer d'aller fouiller un petit peu les coffres. Et après, on va directement aller vers la porte qui est à l'autre bout de la carte. Avec le clé à feuilles. Enfin, la clé fœtus à six feuilles, je crois que ça s'appelle. On va essayer de fouiller un petit peu les deux coffres qu'on a là. Si on peut, bah, tant mieux. Bah, si on peut pas, bah, on va essayer d'aller directement vers la zone en question. C'est parti. Ah!
Bon, c'est pas grave, on n'a pas pu trouver l'endroit pour récupérer l'autre partie du trésor. Bah, on va essayer de faire ça en retour. Mais c'est pas grave. Allez, on va aller directement vers cette zone. La clé fœtus à 6 ailes. J'ai dit à 6 feuilles, moi, je sais pas pourquoi j'ai dit à 6 feuilles. Allez, là, on va aller directement vers récupérer la dernière partie. Oh, bonne chance, bah, super. La dernière partie de notre fille, entre guillemets, hein, dans le bocal. Hein. Je crois qu'il faudra récupérer. Je sais pas c'est quoi, mais on verra bien. Ok, bon, ça a l'air très sinistre ici. Pas très accueillant, mais bon. On va essayer d'aller par là, on va voir ce qui se passe. Si on peut trouver quelque chose d'intéressant. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok, bon, bah, on retourne, on va passer par le petit lac là. Et on va passer de l'autre côté. On va voir ce qui nous attend. À mon avis, pas quelque chose de très accueillant, hein. Déjà, avec le boss qu'on a eu précédemment, ça a été assez explosif. Mais là, je pense que ça va être encore pire. Alors, là, on va casser ça. Voilà. Et entrons à l'intérieur. J'ai très très peu de balles pour l'instant, mais bon. On va essayer de survivre à ça. Ouais, dégage-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Des mines, je prends, on sait jamais. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des sous. D'accord, bon, pourquoi pas. Allez, entrons à l'intérieur. Voyons voir ce qui se passe. Ouais, une cabane très abandonnée pour l'instant, je vois pas d'autre issue. Ok, d'accord. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh putain, c'est quoi ça? Ouh lolo! Oh! Oh! T'es qui toi? Boum! Oui, je t'emmerde dans ton travail, mais j'ai besoin de te casser la gueule! Donc putain, il est violent lui, hein! Allez, charge, charge, charge! Ah, il faudra l'affronter ce boss! Non, non, t'énerve pas, c'est juste pour te tuer que je suis là! Ah ben, ta grosse machette là! Enfin, ta grosse hache! Allez, enchaîne, enchaîne, il faut l'éviter celui-là! Lui, il a l'air violent lui! Wow! Calme-toi mon petit! Wop! Tu vas te calmer, hein? Tu veux prendre ça dans la gueule? Allez, essaye de passer pour voir. Hop, hop, charge, charge, charge. Ah, il y a des barils, il y a des barils. Je pourrais l'exploser. Il est où? Allez. Attends, monte. Tu m'auras pas, frérot. Tu m'auras pas le plus... Ah, putain, il envoie ses sbires en plus. Aïe. Ah, merde. Je voulais viser le baril et je suis tombé à l'envers. Vas-y, monte. Il est où, ce guignol? Je suis là. Explose. Boum. Ça te fait du bien ou pas? Allez! Allez! Putain, j'ai plus de balles dans le snipe. Ah, j'ai plus de balles dans le truc. Ah, il est fou! Attends. Alors, viens par là, descends par là, il y a une barille là, viens! Descends! Allez encore, descends, voilà, et. Boum! Ça te fait du bien ou pas? Il est où ce con? Putain, il est pas encore mort, hein. Il a l'air mastoc, hein. Il a l'air mastoc! Ah, il y a une caisse là, je vais essayer de voir la caisse qu'il y a dedans. Allez, casse-moi ça. Des grenades explosives, d'accord. Je prends des munitions de pistolet, merci. Il est où? Viens. Allez, mange. Mange ça dans ta gueule. Oh putain, il saute en plus. Il est fou. Ah, une caisse par là. Allez, casse-moi ça. Des munitions de pistolet, merci. Ça m'arrange. Allez, il est où? Il est encore là-bas, hein. Oh le. Ah. C'est chaud, hein. Je peux passer par là ou pas? Non, je pense pas. Tant que je l'ai pas tué, je pourrais pas m'échapper, hein. Je vais te tourner en bourrique, frère. Ça sert à rien, tu mourras jamais. Ah, il est fou. Y a pas d'autre chose à ramasser là? Y a que ça comme balle. Deux barils dans la gueule, ça lui pas suffit? Ah, enfin. Ouf, bon, ça va. Je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça, mais finalement non. Grande hache cristallisée, très bien. Ok. Bon, bah ça va, ça a été, finalement. Attends, je vais fouiller un petit peu les environs. Je crois que j'ai loupé des choses. Ok, cartouche de fusil. Je recharge bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Du fuite chimique, parfait. Rien d'autre dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, c'est bon, je l'ai fouillé. Je vais voir en haut si j'ai rien loupé. Je ne pense pas. Alors, on va casser ça. Ça ouvre pas? Bah ouvre! Bah alors? Qu'est-ce qu'il se passe quoi? Il fallait bien par là, non? Ah, c'est quoi ça?
Oh, heureusement que je suis revenu en arrière pour voir des munitions de pistolet. Tac, tac, tac. Là, je charge, il n'y a plus rien. Là, le truc, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre descendre ça en bas. Voilà, voilà, ça me rassure. Là, c'est bloqué, alors comment je vais faire? Attendez, là j'écris juste un message, je suis désolé. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Pourquoi je peux pas passer par là? Il y a quoi, un truc qui bloque? Ah, mais il y a encore l'autre chaîne, voilà! Ah, bah c'est bloqué en haut et en bas, d'accord. Ok, bah d'accord. Je me suis dit pourquoi c'était bloqué. Oula, il y a plein de choses là. Ok, viande, d'accord, de la volaille, très bien. Ouais, de la viande, bah donne, hein, ça, je pourrais le vendre chez le marchand. De la plante, je recharge, voilà, voilà. Là, c'est bon, là, c'est bon. Là, je ramasse des trucs, voilà. Ok. Parfait. Je suis toujours dans le vert, donc c'est bon, je peux pas... Je peux garder mon soin tranquille. Ok. Manivelle, volant, d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du poisson, d'accord. Ok, de la viande, bah donne. Donne, mon ami, donne. Ça me fera des petits sous-sous en plus. Alors, c'est aujourd'hui que le sympathique marchand nous rend visite. Il me donne toujours des vieux journaux. Je sais que. D'ailleurs, quelque chose a piqué ma curiosité. C'est un article à cause d'une. Je ne me souviens plus de son nom, mais son logo m'a semblé familier. Il y avait le même symbole sur le calice des géants. Je suis persuadé que le symbole. Étrangère, je me demande s'il n'a pas rapport à. D'accord. Bon, ok, bon. Bien, rien de bien intéressant pour l'instant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-moi ça. Ange de Nicolas. D'accord. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Ah! Il y a des petites choses là. Des poudres noires, parfait. Des munitions de pistolet, je prends. Boum, du fût chimique, je prends. Tac, 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 c'est bon, je suis calé. Ok. Ah, ça nous ramène par cette porte. D'accord, ok, bon, on a fait tout le tour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner vers le marchand, là. Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Qu'est-ce que vous faites là, là? J'ai pas besoin de comité d'accueil, hein. Cassez-vous de là. Une fois que j'aurai terminé de battre ces petits cons-là, je retourne chez le vendeur, faire quelques petites emplettes et ramasser des petites choses. Et après, on retournera, on ira directement vers notre mission principale. Ok, fuite chimique, des sous, fuite chimique. Ok, allez, repartons vers le vendeur. Ok, poudre noire, je prends. Oui. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Ah. J'ai du nouveau en stock. J'espère que ceci vous sera utile.
Avec plaisir. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Avec plaisir. Un instant, je vous prie. Manger, c'est vivre. Bonne journée. Allez, on a fini avec le vendeur. Et on va aller directement vers le côté gauche, hein, je pense. Pour aller directement vers notre mission. C'est par là. Hein. Ouais, c'est par là. J'ai même pas vu l'escalier, c'est tellement sombre. Oh. Il n'y a personne là. Hein. Je n'ai pas encore des loups-garous. Hein. Ah, et ben finalement, si. Je crois qu'il y en aura encore. Où est-ce qu'ils sont, les petits coquins là? Où est-ce que vous êtes? Essayez de monter par là. Je crois qu'il y en a là-bas au fond, non? Wow. Ils sont où? Je les vois pas. Ah, il est là, je le vois. Coucou! Allez, viens, mon petit. Allez. Il y en a un autre qui arrive là-bas au fond. Allez, viens là, toi. Bâtard. Allez, boum, headshot dans ta gueule, ça te fera du bien. Allez, fuite chimique, très bien, merci. Il y a autre chose ou pas? Ah, j'en vois un là-bas au fond. Oh, reste là-bas. Voilà, reste loin de moi. J'ai déjà plus de balles. Putain, c'est rapide. Hein. Ouais. Je prends ce qu'il y a là. Oh, casse-toi. Va-t'en. Dégagez de là. Reste par terre. Reste par terre, toi. Vas-y, charge. Voilà. Je prends de la ferraille. Allez, dégage! Il est où le con? Reste par terre! Hein. Merci. Ah, j'en ai vu un là-bas au fond. J'en ai vu un là-bas au fond, je crois. Ouais. Allez, prends ça! Ouais, je t'ai vu là-bas, arrête de me lancer des fléchettes, hein! Aïe! Attends. Je le mets. Aïe! Putain, mais il sort d'où lui? Attends. Merde, j'ai plus de balles! Tu veux une balle stos dans la gueule, toi? Hein. Tu veux vraiment une bastos dans la gueule? Et boum! Ah merde, j'ai pas pris les bonnes balles. Ça, c'est les trucs pour aveugler. Moi, ce que je veux, c'est les exploser. Badaboum! Voilà! Ça, c'est bon. C'est bon ou pas? Vous êtes calmé ou pas? Putain, j'ai vraiment très peu de balles. Je sais même pas comment je vais avancer dans l'aventure. Avec très très peu de munitions. Hein. On va prendre le sniper quand même, parce qu'il y a presque plus de balles dans le... On va le remplacer par... fusil. Voilà, il y a des balles là-bas. Je prends ça, de la poudre. Toi là-bas, là, tu crois que je t'ai pas vu? Allez, mange dans ta gueule. Boum. Voilà. Il est où ton pote, là? Bim. C'est bon ou pas? C'est bon, apparemment c'est bon. Bon, je sais pas comment je vais m'aventurer là dans cette histoire, mais j'ai très très peu de munitions. Et s'il y en a beaucoup, je suis dans la merde. Allez, ouvre-moi ça. Fusil sniper, je prends. Bon, ça peut servir. Il y en a encore, hein, je les vois. Je les entends. En tout cas, je les entends.
Ah, des mines, parfait. Je casse ça. Munitions. Ah, bah merci, donne-moi des munitions. Voilà, de la ferraille. Tac, tac, tac. Allez, recharge bien. Que tout soit bon. Ils sont où? J'en ai entendu, là, non? Vous êtes où, les gars, là? N'avez personne? Ah, bah je me suis dit aussi. Oh, 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 oh putain, ça débarque, ça y est. Hey, toi, le flèche Tarzan, je sais pas quoi, là, dégage de là. Allez, casse-toi. Casse-toi. Je ramasse ça. Il y en a encore, hein, je les entends. De la ferraille. Wow, 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 il va se calmer, lui. Allez, mange ça dans ta gueule. Boum. Allez, il suffit d'une seule balle pour le mettre KO, celui-là. Putain, il y en a encore. Vas-y, charge. Charge. Boum. Voilà. Et charge. Putain, c'est chiant qu'on doit recharger à chaque fois ce truc-là, à chaque bastos, quoi. Crève. Voilà. Il y en a encore, c'est pas possible. Allez, je prends ça. La ferraille. Vous êtes où, les gars? Ouais, ils sont là. Boum. Ah, merde. J'étais trop près. Mais au moins, j'ai eu le feu chimique. C'est pas grave. On a un peu de soin. Allez, charge-moi ça. Il reste encore 3 bastos et ça va les calmer, je pense. Vous êtes où, les gars? Ramenez vos fesses. Comment est-ce que j'ouvre ça? Ah là là, ça devient compliqué là. Ça devient compliqué parce que ça vient de partout. Je sais pas comment je vais arriver jusqu'à la fin, mais bon. Allez. Allez, casse-toi. Foutez-moi la paix, bande de sale merde. Allez, dégage. Allez, casse-toi. Ah putain, j'ai plus rien. Allez. Allez. Ah, lâche-moi, sale bête. Mais il sort d'où celui-là? Je n'ai même pas vu arriver. Putain, il est arrivé sur le côté, le con. Casse-toi. Casse-toi. Poudre noire, casse-toi. Ah, j'ai plus... Charge bien. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. De la plante, je vais lancer, étant fabriqué. Voilà, merci. Bon, ils sont où? Dégage. Dégage! C'est bon, oui! J'ai plus de balles de flingue. Je vais voir si je peux en fabriquer peut-être. Tac, tac, tac. Ouais, bon, je vais utiliser les bastos pour l'instant. Enfin, le. C'est assez chaud, hein. C'est assez chaud. Voilà. J'ai quelques petites 20 balles, mais bon, c'est pas assez 20 balles. Hein. Voilà, tu veux pas ramener encore tes sbires là? C'est bon, j'ai plus rien, moi, frère! Attends, on va monter là-haut. Non, c'est pas par ici. Ah non, 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 c'est au-dessus. C'est au-dessus. Oh putain. C'est au-dessus qu'il faut activer la manivelle. On ne veut pas crever, hein. Eh, il faut combien de bastos pour les flinguer, ces gars-là? Eh, foutez-moi la paix, vous. Putain, je suis dans la merde. Ah! Lâche-moi! Casse-toi! Putain, il est relou, lui. Mange ça! Voilà, fais dodo. Toi aussi, mange, allez hop! Reste au sol! Voilà, c'est bon. Pff, allez, ramasse, fuite chimique, je sais pas ce que j'ai pris, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, il y en a encore. Je vais monter là-haut, activer la manivelle, comme ça sera déjà fait. Après, je m'occuperai des derniers qui restent. Ah!
Bon, ok. Ça y est. Point de sauvegarde, ça fait plaisir, franchement. Depuis le temps. Allez, on casse-moi tout ça. Allez, casse-moi. Fusil, je prends. Ouf, 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 ouf. Faudra monter tout en haut. Allez, une petite sauvegarde, ça fait plaisir. Et je pense que ça va pas finir, hein. Je pense qu'il y en a encore plein d'ennemis qui nous attendent de l'autre côté. Et je sens que ça va faire très très mal. Bon, on peut pas aller plus haut de toute façon. Bon. Ok. Aïe. Oh bah merde. On reprend. Et là, ça va être la merde dès que je vais aller par là. Oh putain, il y en a encore plein. Ah, je connais cette zone, je l'ai déjà vu en trailer. Il y aura plein d'ennemis qui vont débarquer encore. Oh là là, putain la vache. Eh bah oui, bah oui, bah bravo. On s'est rendu compte, frérot, que c'était leur repère. Oh putain. Et merde. Et merde. J'ai presque plus de balles, frérot. Oh là là. Oh là là. Là, c'est de la survie. Je vais me concentrer, je vais pas trop parler pour une fois. J'ai tendance à beaucoup parler dans les gameplays là. Mais là, je veux pas trop parler parce que là, ça commence à me saouler. Ah!
Oh là là, vache les amis, c'est vachement dur, hein. Désolé hein, si je parle pas beaucoup là, dans cette partie, mais c'est vachement dur, j'ai plus rien du tout, il me reste que les mines là, j'ai plus rien, je suis à sec. Oh là là, putain, il y en a encore plein qui débarquent, oh purée. Pff. Je sais pas comment je survive les gars, je sais pas du tout comment ça va être, c'est horrible, pour une fois, c'est la première fois depuis le début de l'aventure que je galère autant et que j'ai presque plus de munitions, quoi. C'est dingue. C'est quand même dingue, hein. Aïe, 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 je sais même plus comment faire, les amis, hein. C'est... Là, il n'y a plus personne, ça va. Mais, c'est ouf. C'est vraiment ouf, c'était vraiment ouf. Là, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'espère qu'il y aura des munitions lorsque je reviendrai en arrière. Enfin, lorsque je vais avancer un petit peu, parce que... Là, je suis à sec, j'ai plus rien, je peux plus me défendre. J'ai rien du tout. Alors, si on m'annonce un boss tout de suite après, ça va être la grosse merde. J'ai plus rien. Un couteau, là, il n'y a plus de balles. De l'autre côté, il n'y a plus de balles. Le fusil à pompe, il n'y a plus de balles. Le sniper, il n'y a plus de balles. Le flingue, le pistolet, il n'y a plus de balles. Tout est à zéro. Tout est à zéro. Aïe. Ouais. Espérons qu'il n'y a pas d'autres ennemis qui vont débarquer tout de suite dans la seconde. Sinon, je suis dans le gros caca. Hein. J'ai même plus de mine, pour vous dire. J'ai même plus de mine. Ouais, bon, voilà. Une mine que j'ai récupérée. Bon. Ça va pas achever tout le monde, ça, hein, mais bon. Allez, continuons. Allons de l'autre côté. Et on va voir ce qui s'y passe. Voilà, là, 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 les amis. C'est chaud. C'était chaud.
Allez, avançons, avançons petit à petit. J'ai toujours rien récupéré. Ah là là. Ah ! De la ferraille. Pas du truc, d'accord. Je peux toujours rien faire. Ouais, bon, des bombes à lancer, truc, ouais, d'accord. Un tuyau de bombe, ok. Ah, j'espère qu'il y a des munitions là. Alléluia, des fusils. Du fusil. Ah, ça fait plaisir. Oh là, je pouvais... je peux pas casser ça? Ok. Bon, j'ai 6 balles. 6 balles de fusil. Ça, je vais le casser. Boum. Voilà. Allez, c'est reparti. Voyons voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est chaud, hein. Là, ça commence vraiment à devenir corsé, là. Je crois qu'on a dépassé la moitié de l'aventure, hein, déjà. Je crois que le jeu fait entre 8 et 10 heures de jeu, environ. Ça dépend si on le... Si on le rush bien, ou bien si on le fait à 100%. Mais en tout cas, ce qui est de l'aventure principale, on est à 8-10 heures de jeu environ. Là, on a dépassé les 6 heures de jeu. Premier soin, magnifique. Oh là! Oui, oui, oui. Alors, les ordres du roi sont arrivés, nous devons nous replier. C'est raison de devoir abandonner la forteresse frontière, c'est un. Si seulement nous avons pu une plus de... Ok, il est de notre... Ah, d'accord, bon, ok. Ah, merci, des grenades, des machins. Ah, le sauvegarde. Alléluia. Alors, j'ai des 5 balles de snipe. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 balles de fusil à pompe. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Est-ce que je peux fabriquer d'autres munitions? Non, même pas. Oh là là là. Bon, on va sauvegarder là. Je garantis rien de ce qui va se passer par la suite. Mais c'est sûr que ça va faire mal. Bon, ouais. Voilà, j'espère que je vais trouver d'autres munitions derrière, parce que après, ça va être la merde, hein. Oh là là, je le sens pas du tout. J'ai l'impression que je vais affronter le boss qu'on a eu au début de l'aventure. Vous vous rappelez, là, quand il y a eu plein de loups-garous qui sont arrivés, et à un moment donné, il y a le gros, avec sa grosse machette, là, qui est arrivé, et merde. Et je sens que ça va se dérouler tout de suite. Allez, prends ça. Ah, munitions de pistolet. Il est où? Je l'entends, mais je sais pas où il est. Je peux me barrer ou pas? Eh ben non. Eh ben merde. Voilà le boss. Premier soin, je prends. Je vais essayer d'utiliser un petit peu tout ce qui m'entoure, là. J'aurai pas mal de munitions à récupérer, je pense. Oh là là, j'espère qu'il y a des munitions, Ah, il y a des trucs là. Je prends. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je prends. Aïe! Mais t'es un malade, toi! Putain, il me saute dessus, ce con, il me laisse même pas recharger. Il est où, ce con? Viens là, toi! Allez, vas-y, je vais mettre tout sur lui, y a pas le choix. Hein. Allez, enchaîne. Je vais mettre tout. De toute façon, y a pas le choix, y a pas d'autre manière de le faire. Allez! Il est fou! Il n'y a pas d'autres munitions? Là, donne-moi ça. Tac. Je sais pas ce que j'ai pris, les gars. Je sais pas. Allez, j'ai récupéré des munitions de pistolet, c'est déjà pas mal. Calme-toi. Ah ouais, il est vénère. Ah, il est vénère, le monsieur, hein. Tu vas prendre tes balles, oui? Putain, mais il est puissant, ce con. Ouais, pourquoi tu te barres là-haut, toi? Non, y'a personne, ramène pas tes potes, s'il te plaît. Ah putain, il ramène ses potes, ce con. Qu'est-ce que tu vas faire là, toi? Prends ça dans ta face. Yeah. Ah oui, il est violent, lui, hein. T'es un enfoiré, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Feu chimique, je prends. Ça me permettra de fabriquer du soin. Allez. Il va pas crever, cet abruti. Aïe. Prends ça. Putain, il est mastoc, hein. Il est mastoc, l'enfoiré. Allez, prends ça. Dans ta face. Ah, putain. Ouf. C'est tendu. Oula, calme-toi. Calme-toi, frérot. J'ai plus de balles, super. Allez, super, j'ai... Oh, tu fais quoi, là? Yeah. Mais t'es malade! Vas-y, prends les soins. Voilà. J'ai plus rien. J'ai que 5 balles de snipe et je crois que c'est fini après, hein.
Oh là, mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ah, lâchez-moi, bande de saleté! Aïe, 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 il me reste que 6 balles de snipe, je vais faire comment, moi? Oh, le petit d'abord. Voilà. Allez. T'es mort ou pas? Allez, mais tu vas crever, oui. Allez. Il me reste 2 balles, il me reste 2 balles. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Allez, casse-toi. T'as quoi? De la plante, merci, du soin. Oulala, oulala, oulala. Prends ça dans ta face, toi. J'ai plus rien, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Tiens, mange les grenades, là, je sais pas quoi, là. Ça va te faire du bien, là. Ça va te faire du bien, un petit peu, là. Il est où, ce con? Il est où? Prends de la poudre. Mange. Où est-ce que tu vas? Prends. Ça lui prend pas, hein. Ça lui prend pas. Je vais utiliser toutes mes trucs sur moi, là. Ah, tu peux pas... Putain, casse-toi. Ah! Putain, la vache. J'ai plus rien, il n'y a plus de munitions, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai plus rien du tout, je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais battre ce putain de boss. Aïe. J'ai plus rien. J'ai plus rien, les gars. Je suis dans la merde. Est-ce que je peux fabriquer des petites choses? Non, il n'y a rien. Une mine, ouais, je peux faire une mine, mais ça va me servir à rien. Le soin, d'accord. Ah! Ah, mais j'ai des trucs explosifs, là! Attends. Attends. Grenade explosif, ouais, d'accord. Je peux le combiner avec ça. Attendez, ah! Alléluia, j'ai trouvé un truc. Tac, raccourci. Heureusement qu'il y a une pause, hein, parce que... Voilà. Et qui ça? Ah, bah voilà, j'ai 3 balles. Ça devrait le faire, normalement. Oh non, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? C'est l'autre que je vais avoir. Allez, je gaspille une pour toi, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai pris. Allez, de la plante, ah merci, le soin. Allez, vas-y, charge. Normalement, avec ça, tu devrais finir, frérot. Il est où, ce con? Il est où? Ah, il est là-bas. Boum! Ça te va ou pas? T'as fini? Tiens, mange! C'est bon ou pas? Yes! Wouah, putain, qu'est-ce qu'il était dur celui-là! Ouh, ouf, 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 ouf. Oh là là, putain, vas-y, prends du soin. Je peux plus le soin. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Bon, allez, on va se barrer d'ici. Putain, c'était dur. Hein. Oh putain, qu'il était dur ce con. Waouh, 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 waouh. Ouais, ouais, bah c'est maintenant que tu me donnes des munitions. Ah purée. Oh là, je sais même plus où donner de la tête, les gars. Ouais. Eh ben, la vache. Qu'est-ce qu'il était dur. Pouh. Très bien. Ah, ben, voilà. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Pistolet. D'accord, fusil chimique, je prends. Voilà. Je recharge bien. Tac, tac, tac. Tout est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, le bocal. Parfait. C'est lui qui l'avait. Parfait. Quel spectacle, Ethan. Bien joué. Pas la peine de te cacher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi. Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors, en échange? En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Merde. Eh ben, dis donc. Ça a été du fight, les amis, hein. C'était du galère. Ah, une barque, parfait. Ça me permettra d'aller de l'autre côté. Ok, plein de... Ah, d'accord. Ok, bah ça, je pourrais le vendre, aller directement chez le vendeur, le marchand, pardon, et directement le vendre, et ça me permettra d'avoir des petits sous-sous. On va améliorer pas mal de choses avant de se quitter. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter à là, les amis. Une fois qu'on sera retourné chez le vendeur, on va retourner vers le village, récupérer tout ça...
voir ce qu'on peut améliorer, voir ce qu'on peut vendre. Et on s'arrêtera là, les amis. Hein. Là, les deux dernières vidéos qu'on a fait, ça n'a pas duré une heure. Mais on avance bien. On avance bien. Donc, après, si ça dépasse une heure, tant mieux. Mais là, ça n'a pas l'air de dépasser une heure. Donc, alors là, à mon avis, ouais, il faudra prendre les escaliers pour aller directement sortir dehors et aller vers le village. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste voir ce qu'il y a par là. S'il n'y a pas des petites choses à ramasser. Ah, cette zone, on ne l'a pas découverte. On va aller voir là, vite fait, et après, on remontera de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est une zone fermée. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Donne-moi ça. Alors, des munitions de fusil sniper, je prends. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Du Fuji Mic, je prends. Ok, photo d'un mystérieux poisson. D'accord. Très bien. On verra ce qu'il y a, qu'il y aura plus tard par là. Oh! Alors, carte de fusil, sniper, bombe, tuyau, parfait. Alors, opération d'implantation du cadou. Caractéristiques comme 21 ans, résultat infinitif, le cadou n'est pas développé. Caractéristiques femme, résultat d'essai. Ok, bon, ça c'est juste des choses en plus. Ok, bon. Bon, on n'est pas venu pour rien ici, hein, on a ramassé quelques petites choses intéressantes. Bon, on peut retourner sur le chemin. Ah, j'entends du bruit. Qu'est-ce que tu vas faire là, toi? Dégage! Mais attends! Merci pour ça. Tu vas me ramasser des petites choses pour. Oh, 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 tu vas te calmer, toi, avec ta machette. Casse-toi! Dégage! Va-t'en, me touche pas! Non, ouais, des sous-sous et de la poudre, parfait. Il y en a encore un ou pas? Ouais, il y en a encore un. Dégage! Va-t'en! Voilà. Allez, on recharge bien. Du fil chimique, parfait. Et on peut retourner là où on était. Et on va aller directement vers le marchand. C'est parti. C'est un grand plaisir de vous voir revenir vivant. À votre service. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Vous vous séparez de cela? Non, 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 je suis heureux de vous en débarrasser. Exit. Ne faites pas attention à moi. Un instant, je vous prie. Hmm? Quoi? Ah, ça y est, c'est terminé. Laissez-moi faire. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Bonne journée. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer.
C'est un investissement, Ethan. Vous partez déjà? Bon, avec le marchand, c'est fait. Le bocal, on le met là. Et ben, voilà. Parfait. Quel c'est des géants. Très bien. Ok. Bon, oula. Très bien. Bon, les amis, on va s'arrêter à là pour cette partie. Rejoindre Heisenberg d'abord. Très bien. On va faire ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos abonnés, évidemment. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'aventure avec la huitième partie qui nous attend. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.